dessus les coutures, peut-être. Tu me sers plus fort. Je vais me tirer sur allez, va nickel. Voilà, tu défends tranquillement. Ah, la grosse caisse, à gauche, gauche. Repos. Je vais attendre les autres pour faire la ligne. On en sort. Garde. Compagnie rassemblée à vos ordres, mon lieutenant. Merci au lieutenant. Médaille d'honneur des sapeurs-pompiers échelon argent pour 20 ans de service. Sergent-chef Florent Bresson. Médaille d'honneur des sapeurs-pompiers échelon bronze pour 10 ans de service. Première classe Angélique Poris. Médaille d'honneur des sapeurs-pompiers échelon bronze pour 10 ans de service. Remise de la fourragère au sapeur de deuxième classe Marc Armand. Sergent Sébastien Adalide, promu au grade de sergent-chef, remis par la commandante Aline Goury. Sergent Adalide. Au nom du directeur départemental des services incendie et de secours des Vosges, j'ai l'honneur de vous remettre votre galon de sergent-chef. Félicitations à vous. Sergent Caroline Schfaller, promu au grade de sergent-chef, remis par le lieutenant Xavier Bretel. Sergent Schfaller, au nom du directeur départemental, j'ai l'honneur de vous remettre le galon de chef. Sergent Maxime Perrin, promu au grade de sergent-chef, remis par la commandante Aline Goury.
Sergent Perrin, au nom du directeur départemental du service d'incendie et de secours des Vosges, j'ai l'honneur de vous nommer au grade de sergent-chef. Félicitations à vous. Francis Bourgeois, promu au grade de sergent honoraire, remis par le lieutenant Xavier Bretel. Caporal Salim Belléou, promu au grade de caporal-chef, remis par la commandante Aline Bourri. Caporal Belléou, au nom du directeur départemental des services d'incendie et de secours, j'ai l'honneur de vous remettre votre galon de caporal-chef. Félicitations à vous. Caporal Dylan Nicolas, promu au grade de caporal-chef, remis par le lieutenant Xavier Bretel. Caporal Nicolas, au nom du directeur départemental des services d'incendie et de secours, je vous nomme caporal-chef. Sapeur de première classe Clément Antunes, promu au grade de caporal, remis par la commandante Aline Bourri. Sapeur Antunes, au nom du directeur départemental des services d'incendie, c'est un galon mérité du caporal que je vous remets. Félicitations à vous. Sapeur de deuxième classe Ambre Mani, promu au grade de première classe, remis par le lieutenant Xavier Bretel. Deuxième classe Mani, au nom du directeur départemental, vous êtes au grade de première classe. Félicitations. Sapeur de deuxième classe Charles Georges, promu au grade de première classe, remis par son grand-père, le capitaine honoraire Denis Georges. Sapeur Georges, vous êtes élevé à la distinction de première classe. Toutes mes félicitations. Sapeur de deuxième classe Tatiana Pelletier, promue au grade de première classe, remis par la commandante Aline Bourri. Sapeur Pelletier, au nom du directeur départemental du service d'incendie et de secours, j'ai l'honneur de vous remettre votre distinction de première classe. Félicitations à vous. Sapeur de deuxième classe Marie Humbleau, promu au grade de première classe, remis par le lieutenant Xavier Bretel. Deuxième classe Humbleau, au nom du directeur départemental, vous êtes au grade de première classe. Félicitations Marie. Sapeur de deuxième classe Sloane Dieudonné, promu au grade de première classe, remis par la commandante Aline Bourri. Sapeur Dieudonné, j'ai l'honneur de vous remettre, au nom du directeur départemental des services d'incendie et de secours des Vosges, votre galon de première classe. Félicitations à vous. Remise du casque F1 au sapeur de deuxième classe Diego Miranda du CIS Châtenois. Casque remis par son chef de centre, le lieutenant Xavier Bretel. Remise du casque F1 au sapeur de deuxième classe Camille Grandemange du CIS Châtenois. Casque remis par son chef de centre, le lieutenant Xavier Bretel. Remise du casque F1 au sapeur de deuxième classe Ophélie Maupier du CIS Attignéville. Casque remis par la commandante Aline Bourri, chef du groupement Plaine. Remise du casque F1 au sapeur de deuxième classe Lucille Armand du CIS Rainville. Casque remis par son grand-père, l'adjudant honoraire Maurice Novian. Remise du casque F1 au sapeur de deuxième classe Souni Jeannette du CIS Châtenois. Casque remis par son chef de centre, le lieutenant Xavier Bretel.
Sapeur de deuxième classe, Erwan Riss, affecté au CIS Châtenois depuis le 2 février 2019, issu du pré-engagement. Sapeur de deuxième classe, Dylan Ascoët, affecté au CIS à Tignéville depuis le 2 février 2019, issu du pré-engagement. Bien sûr, le centre de secours d'Atignéville. Bravo à vous. Sapeur de deuxième classe, Marc Armand, affecté au CIS à Tignéville depuis le 2 février 2019, issu du pré-engagement. Avec affectation, merci à vous. Sapeur de deuxième classe, Teddy Coraza, affecté au CIS Châtenois depuis le 22 juin 2019, issu du pré-engagement. Infirmière sous-lieutenante, Audrey Sylvestre, affectée au service de santé et de secours médical et au CIS Châtenois depuis le 15 avril 2019. Sapeur de première classe, Angélique Porris, affectée au CIS à Tignéville depuis le 2 février 2019, en retour de disponibilité. Sapeur de deuxième classe, Sophie Lullier, affectée au CIS à Tignéville depuis le 2 février 2019, issue du pré-engagement. Avec une affectation à Tignéville. Merci à vous. Fermez le banc.